Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement expérimenter la visitation divine avec le prophète Ouin, ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie, comme le chanteur Richard Crémé. Info Line 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties. Je n'étais pas en train de prier, hein. J'étais précisément en train de dormir. Je dormais, comme tout être humain. Mais pendant que je dormais, mon esprit était éveillé. Dieu a ouvert mes yeux. Et je me retrouve dans un concert. Mais c'est un concert de coupé-décalé. Donc les gens sont en train de faire le coupé-décalé, danser, danser, danser. Hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que je me voyais en train de regarder une personne en train de danser. Et je voyais aussi un jeune qui était à côté. C'est comme son petit. Donc ça veut dire que lui, il fait coupé-décalé. Mais son petit là, il est un petit qui fait le rap. Et il est dans un truc. Oh. Dans les affaires de DJ là. Il est DJ, je répète encore. Lui, il est DJ. Maintenant, son petit qu'il a adopté, lui, fait rap. Je ne le connais pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas trop vraiment. Mais dans une vision, j'étais à un de ses concerts. C'est comme si il fait un concert. Et dans le concert, je le voyais. Et je voyais un de ses petits aussi qui fait le rap. D'accord? Donc lui, il chante et le petit, lui aussi, il faisait le rap. Mais ce qui est bizarre, c'est que je le voyais disparaître comme ça de la scène. Et je voyais comme son petit là, qui était en train de prendre le devant. Et je le voyais lui disparaître peu à peu. Et moi, je le voyais prendre le devant. Et son petit prenait le devant et je voyais lui disparaître peu à peu. Et je voyais comme la mort sonner dans cette maison. Je répète encore. Je voyais comme la mort qui était en train de sonner dans la vie des garçons. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Amen. Je dis ça pour qu'on puisse prier. Amen. Je ne dis pas ça pour prendre quelqu'un au piège. Alléluia. Ni pour faire peur. Non. Je dis ça pour sonner de l'alarme. Lorsque tu allais à l'école, arrivé en classe, on sonnait pour te dire il est 7h30, il faut que tu rentres. Et quand il est 10h ou qu'il est midi, on sonnait pour dire non, c'est l'heure de sortir. Donc la sonnerie était pour toi la confirmation du fait que tu dois quitter la classe pour aller dehors pour commencer à jouer. Je suis comme une sonnerie ce soir pour venir sonner de l'alarme par rapport à une parole que j'ai reçue. Je ne suis pas venu pour faire peur à quelqu'un. Je suis venu pour sonner de l'alarme en tant que prophète. Amen. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Et donc, j'annonce les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen. Afin que toi et moi, nous puissions prendre garde. Amen. Tu peux peut-être discuter avec les prophéties. Je le dis et je le réitère pour des personnes qui sont là. Tu peux peut-être discuter avec les prophéties. Mais l'accomplissement, tu ne peux jamais discuter avec. Amen. Yes. Tu es d'accord avec moi? Yes. Lorsque je te parle et que je te dis des choses par l'Esprit de Dieu, tu discutes. Mais quand ça arrive, quand les choses surviennent, tu ne peux pas parler. Je t'ai parlé concernant le Burkina Faso. Je t'ai parlé concernant les États-Unis. Yes. Je t'ai parlé concernant la France. Mm-hmm. Je t'ai parlé par rapport à la Côte d'Ivoire. Je t'ai parlé du fait que ce monsieur-là ne partira pas et qu'il sera là. Je t'ai parlé par rapport à des prisonniers qu'il allait prendre. Et tu as vu. Vérité. Et t'as annoncé beaucoup de choses. Amen. Que ce soit sur les footballeurs, que ce soit sur X, que ce soit sur ta propre vie. Et les choses que je dis par l'Esprit de Dieu ne manquent point d'arriver. Amen. Alors, je ne le dis pas pour te prendre au piège, pour que tu aies peur. Je te dis pour que tu puisses commencer à prier. Et ce qui m'a étonné, 3 jours Dieu m'a révélé, ou 4 jours Dieu m'a révélé celui-là. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux et je vois que cette personne-là vient de baptiser l'un de ses petits garçons. J'aime trop la présence de Dieu. Amen. J'aime trop quand Dieu parle. Yes. C'est-à-dire que mon esprit est éveillé et j'aime beaucoup quand Dieu parle. Amen. Je prie que Dieu te fasse grâce de pouvoir voir dans le monde de l'esprit. Au nom de Jésus. Parce que des personnes qui ne voient pas dans le monde de l'esprit ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Vérité. Je prie que Dieu te fasse grâce afin que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes les choses de l'esprit. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de parcourir et j'ai vu sur les réseaux, précisément sur Instagram, et j'ai vu comme quoi j'étais en train de le féliciter comme si il a baptisé l'un de ses fils. Et j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me parle, le Seigneur mourit. Je me rends compte qu'il y a la mort qui a été posée et nous devons prier. Amen. Si tu aimes ce chanteur qui fait le coupé décalé, le DJ là, si tu l'aimes, prie pour lui. Et prie. Amen. Pour l'enfant qui vient de naître. Disons pour l'enfant qui vient d'être baptisé. Prie pour lui. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Si tu dis que voilà ce qui se passe dans le monde de l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui a été posé maintenant. C'est sur soit son fils là, ou soit sur son filleul dans sa maison. Il faut qu'on prie. Amen. Je ne sais même pas qui a crié
Cette affaire, c'est bizarre. C'est très, très bizarre. Je te parle d'une parole, d'une révélation que j'ai reçue pendant que je dormais. Et je t'assure que je ne t'ai presque jamais parlé de lui. Parce que même je ne le regarde pas, je ne le connais pas. Je ne le connais pas vraiment. Je ne le connais pas. Ce n'est pas le temps même. Mais Dieu m'a révélé cela. Amen. Et je me suis réveillé parce que je n'avais pas de direct sur Facebook. Je n'avais pas de direct, je devais prier et tout ça. Donc j'ai dit, le jour où j'allais faire le direct, j'allais parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il vient de baptiser l'un de ses fils et tout le monde a acclamé pour cela et tout ça. Qu'est-ce que cela signifie? Coïncidence? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Si tu le connais, prends ton téléphone. Faut l'appeler. Faut dire, il y a un prophète qui est en France, précisément vers la Bretagne. Et le prophète là, il dit, faut l'appeler, il va prier par rapport à quelque chose. Amen. Faut lui dire ça si tu le connais. Amen. Dis-lui ça simplement. C'est vrai qu'il y a des personnes, lorsqu'on leur donne des paroles de révélation, ils n'appellent pas, ils s'en foutent. Comme il y a d'autres aussi, c'est pas de ta faute. Parce qu'il y a une graine d'arachide qui a gâté tous les autres. Voilà pourquoi. Mais il y a d'autres qui appellent. Si tu le connais, donne-lui l'information. Donne-lui l'information. Amen. Afin que le plan du diable soit éradiqué jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Soit brisé jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai dit 2021. En 2020, je vous avais dit celui-là. Que l'année 2021, nous devons prier pour les artistes. Amen. Nous devons prier pour les artistes. Il y a une artiste que je ne connais pas vraiment. Je vais dire son nom. Parce que je ne connais pas vraiment comment l'identifier. Je ne sais même pas. Attendez, je vais taper sur Internet. Parce que je connais son nom. Je vais taper sur Internet. Elle, quelle nationalité? Elle, quelle nationalité? Donc voilà. Voilà. Ah, elle est camerounaise. Voilà. Ok. C'est une artiste. Bon, je ne vais pas dire qu'elle est une artiste perverse. Mais elle est beaucoup dans la perversité. Dans ses clips, quoi. Je fais un clip. Et même dans sa chanson. D'accord? Je vais cacher son nom parce que je n'aime pas montrer les noms. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais c'est elle. J'étais en train de prier et Dieu m'a dit de prier pour elle. Amen. Dieu me dit de prier pour elle. Je te montre juste une photo rapide pour que tu puisses savoir. Voilà. Dieu m'a dit de prier pour cette dame. Je ne la connais pas vraiment. Mon perso, je ne la connais pas. Mais elle est camerounaise. On dirait qu'elle vient de Yaoundé et tout. Quand j'ai tapé, je viens de voir. Alors Dieu m'a dit de prier également pour elle. Il faut que tu puisses prier pour elle. Si tu l'as reconnue, camerounaise qui chante et tout ça. Parce qu'elle a chanté une chanson et tout ça. Donc si tu la connais, prie pour elle. Amen. Nous sommes à l'heure de la prière pour les nations et pour les autorités. Amen. Alors nous révélons des choses cachées qui vont arriver dans la suite des temps. Alléluia. Il faut qu'on prie. Le monde va mal. Tu veux ou tu ne veux pas. Le monde va mal. Vérité. Et il faut prier. Amen. Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimenter la visitation divine avec le prophète Ouin, ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie, comme le chanteur Richard Crémé. Info Line 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties.